Yo les gars, c'est Flou, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Une vidéo qui aujourd'hui va être particulière parce que ça y est, j'ai débloqué le diamant sur les fusils d'assaut. Donc dans cette vidéo du coup je vais vous présenter donc, chaque fusil d'assaut en diamant. Donc on va aller en partie privée pour vous présenter tout ça, c'est parti. Ok les gars, donc on est parti en partie privée pour vous présenter les armes en diamant. Donc là vous pouvez voir, donc on commence avec la XM4 qui est tout simplement magnifique. Donc là on peut voir que c'est toute l'arme qui est en camouflage en fait. Là il n'y aura pas de partie en fait sans camouflage ou des parties noires, vous voyez. Là c'est vraiment toute l'arme, donc soit de l'or ou du diamant. Et là donc on va faire une petite inspection. Ouais, elle est vraiment splendide, elle est magnifique. Et comme vous voyez en fait là, il y a même le silencieux, on le voit pas très bien, mais le silencieux aussi là en or. Et voilà, elle est magnifique quoi, franchement. Même le diamant là il brille, c'est juste incroyable. Donc on va faire les armes dans l'ordre. Donc là on a commencé avec la XM4. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement la XM4 elle est complètement validée, je la trouve magnifique. On va ensuite enchaîner avec la AK-47. Pour la AK-47 les gars, c'est tout simplement splendide. Là il y a vraiment énormément de diamants. Il y a juste l'avant de l'arme et le chargeur du coup qui sera en or, mais tout le reste c'est voilà, complètement en diamant. Elle est magnifique. Comparé à l'XM4, en fait vous allez voir que toutes les armes en diamant sont magnifiques, mais pour le coup la AK-47 elle a vraiment énormément de diamants. Et on peut voir ouais, le diamant qui brille là, qui est un petit peu en fait qui est un peu dynamique en fait. Et ouais, je trouve ça vraiment excellent. Moi je le trouve vraiment réussi en fait, ce camouflage diamant pour le coup. Ouais, c'est. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil pour la AK-47. Et voilà, donc on va passer à l'arme suivante. Avec un tir aussi, quand on vise. Ah ouais, c'est vraiment splendide quoi. Ok, donc on passe tout de suite à la Krieg 6. C'est parti. Ok, pour la Krieg 6, les gars, on peut voir aussi. Bon, voilà, comme je vais me répéter hein, dans cette vidéo, vous allez souvent l'entendre, je pense, mais elle est magnifique. Voilà, l'arme en diamant, comment elle se présente. Ah ouais, donc là, pareil, ça va être juste la mire en fait, le chargeur et l'avant de l'arme. Et ouais, c'est magnifique quoi, il n'y a rien à dire sur ce camouflage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, dans les commentaires, vous allez me dire votre classement de vos armes préférées en diamant pour les fusils d'assaut. Et moi, je ferai un petit débrief là à la fin. Donc moi, la Krieg 6, pareil, je la valide. Quand on vise, on voit pas beaucoup de diamants. C'est un petit peu dommage, mais voilà, elle est vraiment magnifique. On peut passer à l'arme suivante. Ok les gars, pour la QBZ du coup, là je vais vous avouer en fait, bon, l'arme est belle, mais là en fait c'est ce qu'on aurait dû avoir pour le camouflage or, vous voyez. Là on a vraiment énormément d'or et peu de diamants, et c'est ce qu'on aurait dû avoir pour l'or en fait, avoir de l'or partout sur l'arme, ça aurait été vraiment mieux. Parce que, bon, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le camouflage or de la QBZ, on n'y voit rien en fait, l'arme est noire sur le dessus. Donc on va faire une petite inspection. Ouais, donc il y a du diamant, mais voilà, c'est comme l'or en fait. Là, il y a plus d'or que de diamant. Et c'est vraiment dommage. Pour l'or, il y avait moins d'or que la qualité de l'arme en fait. Et pour cette arme, on peut dire qu'elle est belle. Franchement, elle est belle. Mais ils auraient pu mettre plus d'or pour le camouflage or et plus de diamant pour le camouflage diamant. Voilà, mais sinon, moi, je la trouve magnifique quand même. Et puis voilà, on va passer à l'arme suivante qui est la dernière arme. Pour la FFAR du coup qui est la dernière arme, voilà, là on a une arme qui a énormément de diamants et c'est ce qu'on aurait dû avoir sur la QBZ. Voilà, là on a du diamant sur le dessus de l'arme, en dessous, sur les côtés. Il y a juste voilà l'avant et le silencieux, qui, il y a juste de l'or. Et un petit peu le côté, les pieds là on va dire. Et sinon voilà, c'est ce qu'on aurait dû avoir sur la QBZ, cette arme là elle est juste parfaite, elle est vraiment réussie au niveau du diamant. Je pense même que ça va être mon coup de cœur en fait pour le camouflage diamant entre les 5 armes. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce camouflage diamant, laquelle est votre préférée. Et puis voilà, donc nous on va se laisser sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, voilà, ça pourrait m'aider pour le référencement. Moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.